Geshurami malage loksara. Le Seigneur va nous sauver. Genjerami malo. Geshurami morevo de losagore. Emsherami morevo. Geshurami valo. Ejevaromi. Gurami mola osero melo del sarami kusurami malo gelsa. Le Seigneur va nous aider. Et je varomi gazo kusurami motivo. Et je ramarom. Incevo Gesurami malo seram Jefarami gosera umi o Gesukre vide la meloxera. Le Seigneur va nous aider. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Toi qui es là pour la première fois, bonjour. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Nous vous aimons tellement. La guerre continue. Ce vendredi, nous avons la grande nuit des flammes. Un événement qui va bouger le fondement de la ville de Yaoundé. Tout à l'heure, dès qu'il sera ...21h. Donc je vous exhorte à être très très nombreux présents ce soir. Vous savez, Dieu, c'est marcher avec lui. La marche avec Dieu, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas une utopie. Elle n'est pas ludique. Marcher avec Dieu, c'est une réalité. Quand tu marches avec Dieu, tu sens toi-même que tu marches avec Dieu. C'est très important. Donc, nous devons marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est quitter sa maison et dire, je vais à la nuit de prière. Je passe cette nuit devant mon Dieu. En fait, c'est quelque chose de réel. Marcher avec Dieu, c'est réel. Vous la ressentez en vous quand vous marchez avec Dieu. Je me suis réveillé, j'ai prié et puis j'étais en train de réécouter. C'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée. Parce que dans mes habitudes, quand Dieu me donne une vision, j'enregistre ça dans mon téléphone. Donc j'ai écouté. Puis ça fait que vous vous souvenez de certaines recommandations passées. Que si vous n'aviez pas un téléphone qui enregistre, vous n'auriez pas pu les revivre. Quoi. Mais ce que je sais, c'est que pour quelqu'un qui aime Dieu, ne peut pas rester chez lui quand son peuple est en train d'aller prier. Cette nuit de prière est pour vous. Mais si vous n'êtes pas Yaoundé, vous pouvez dire, je quitte Douala, je quitte Bafoussam, je quitte Edea, je quitte Bertois, je quitte Garoua pour aller passer la nuit dans la présence de Dieu et après je rentre chez moi pour devenir un vrai adorateur, quelqu'un pour qui Dieu a un grand prix. La Bible dit que nous avons un grand prix pour Dieu et Dieu doit aussi avoir un grand prix pour nous. Il faut cette réciprocité dans ce que nous ressentons pour Dieu. Donc, pour moi, c'est un peu ça. On ne sert pas Dieu sans marcher avec lui. Et on ne marche pas avec Dieu par la bouche. La bouche, ce n'est pas les pieds. Marcher avec Dieu, c'est poser des actes qui nous coûtent quelque chose de cher, pas de moins cher. On peut poser des actes qui coûtent quelque chose, si c'est moins cher, ce n'est pas marcher avec Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Nous allons bénir le Seigneur pendant que nos frères arrivent. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue au milieu de nous ce matin dans notre église de Facebook, Facebook Church, Facebook Rema Church. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux de Jésus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et que Dieu bénisse. Nous allons commencer avec la prière.
Bila inna ou aleki wa inesma li faleja. Nous allons dire merci à Dieu pour cette journée. Disons-lui qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est fidèle. Et que nous voulons marcher comme Abraham, comme Isaac et Jacob dans sa fidélité, sa loyauté. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi l'esprit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour marcher dans ta fidélité, dans la loyauté, l'intégrité devant Dieu. Seigneur, permets-moi la grâce de faire ce qui est droit à tes yeux. Que mon cœur soit droit devant toi. Seigneur, que mon cœur soit intègre devant toi. Je prie, Seigneur, que mes pas soient redressés devant toi. Seigneur, que mon chemin ne soit point tortueux devant toi, mais qu'il soit droit. Donne-moi la grâce de te servir comme Abraham l'a fait. La grâce, Seigneur, d'obéir à tes commandements et de marcher avec toi tous les jours de ma vie. Béni soit ton nom. Que cette journée soit une journée où ton peuple marche avec toi. Seigneur, éloigne nos cœurs et nos pas de tout ce qui est mauvais. Et que ton nom soit glorifié au nom précieux de Jésus. Amen. J'ai déjà dit cette prière avec tout ton cœur, avec foi. Le Seigneur t'accorde la grâce et l'intégrité d'Abraham en cette journée, afin que tu marches dans les voies d'Abraham et que le Seigneur te bénisse pendant que tu marches dans les voies d'Abraham. Nous allons demander à Dieu de nous donner la terre. Seigneur, donne-nous la terre. Nous sommes ton peuple. Distingue-nous dans cette génération. Seigneur, bénis notre travail. Bénis nos efforts. Nous ne voulons pas travailler comme des esclaves. Seigneur, bénis nos efforts. Nous prions au nom précieux de Jésus. Seigneur, merci Bali Anau Alikum wa Ines Pravedas, Man Sharamida Udales, Man Aketa wa Enos Mali Filia Nau Eloïta. Seigneur, merci parce que tu bénis l'œuvre de nos mains en cette journée. Père, étends ta main dans le monde entier, partout ton nom est invoqué, dans la vérité avec sincérité de cœur. Je prie d'un commun accord avec ton peuple réuni ce matin dans cette plateforme. Seigneur, bénis ton peuple, bénis les activités de ton peuple. Pendant que nous sortons pour aller travailler, Seigneur, bénis-nous. Que nous retournions ce soir étant comblés de grâce et de bénédiction. Bénis les commerçants. Donne-leur des clients, Seigneur, en un point finir. Bénis les hommes d'affaires. Donne-leur des business qui coûtent cher, des choses qu'ils n'auraient pas rêvé posséder. Seigneur, bénis ceux qui travaillent dans leur travail. Donne-leur de grandir. Augmente leurs échelons, augmente les salaires, augmente le fruit de notre travail. Merci parce qu'aujourd'hui, il pleuvra une pluie de bénédiction dans nos vies, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi et de tout ton cœur, tu es béni. Le Seigneur bénit l'œuvre de ta main. Au travail, tu es béni. Partout, tu es béni. Et la main de Dieu est puissante dans ta vie. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Que ton nom soit glorifié, qu'il soit élevé au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire un dernier sujet de prière. Nous allons prier. Que Dieu se souvienne de nos enfants, qu'il leur donne la sagesse à l'école, qu'il leur donne d'être premiers et non derniers, que leur avenir soit assuré devant Dieu à cause de la justice de leurs parents que nous sommes. Pendant ces examens, que Dieu leur donne un succès à 100% et à cause de notre justice, que le Seigneur se souvienne d'eux et qu'il les abandonne. Pensons dans la prière au nom précieux souverain de Jésus. Billakata wa anasmali, inna wa ali faruka wa inesman falita wa adaman. Seigneur, nous prions pour tous nos enfants. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Seigneur, que nos enfants ne soient point de mendiants sur cette terre de vivants. Seigneur, souviens-toi de notre amour pour ton autel. Souviens-toi de notre attachement, Seigneur, pour ton autel, pour ton tabernacle, et de notre justice devant toi, Bikaros man aven, et donne le salaire de notre persévérance à nos enfants. Veille sur nos enfants. Seigneur, fais de nos enfants la tête et non la queue. Donne-leur d'être en haut et non en bas. Seigneur, donne-leur d'être premier et non dernier pendant ces examens. Bénis nos enfants par la sagesse de Holia et de Bessalée, par leur intelligence et leur savoir. Seigneur, merci parce que tu le feras. Qu'aucun de nos enfants ne devienne un vaurien. Seigneur, souviens-toi de nos prières pour eux et donne-leur chacun de trouver sa voie ici-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu as fait la prière, c'est avec sincérité, de tout ton cœur. Ça veut dire que le Seigneur combattra pour tes enfants, il les défendra, le Seigneur luttera pour eux, il sera en leur faveur et tous les plans que l'ennemi fera contre tes enfants, Dieu se souviendra de tes prières. Même si tu n'es plus là, Dieu combattra en faveur de nos enfants, il leur frayera un chemin pour chacun d'eux et leur avenir est assuré devant l'Éternel. Notre Dieu, tu dis Amen avec moi. Likons la page, s'il vous plaît. Likons la page, like la page,
C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur le pouce bleu, appuyer sur j'aime et envoie des cœurs. Comme ça nous permettra de nous imposer. Voilà, c'est important. Mais si tu regardes après, s'il te plaît, il faut liker la page, like la vidéo et abonne-toi surtout. Ne regarde pas sans être abonné. Deviens membre de cette église. Oui, et ta carte de membre. Donc quand tu likes là, c'est ta carte de membre. Que Dieu te bénisse. Alors nous avons une grande nuit de prière ce soir, la nuit des flammes ici à Yaoundé, à Labyr, en Kwaban. Pour ceux qui ne connaissent pas où l'église se trouve, quand vous arrivez au carrefour Kwaban, prenez tout simplement un taxi ou une moto si vous n'êtes pas véhiculé. Demandez qu'on vous laisse à Labyr. Tout le monde connaît Labyr. Et on vous laissera à Labyr. Que Dieu te bénisse. Donc ne manque pas. Si vous êtes malade, c'est une nuit. Nous allons prier pour votre guérison. Vous avez des problèmes spirituels. On va prier pour cela. Vous avez des limitations. Vous sentez que votre vie a des difficultés. Vous n'arrivez pas à exprimer tout ce que Dieu a mis en vous. Et ou bien que vous n'êtes pas au niveau où devriez être. Alors tout simplement, passez à ces nuits de flammes et vous verrez ce que Dieu fera. Il y a tellement de témoignages. C'est aussi une nuit de témoignages. S'il y a quelque chose de bon que Dieu a fait pour vous, ne gardez pas cela pour vous seul dans le rassemblement des saints. Venez et témoignez. Et nous savons que Dieu, par votre témoignage, nous délivrera et nous encouragera aussi dans la foi. C'est ça le but du témoignage. Le but du témoignage, c'est d'encourager la foi des saints pour que les saints se rappellent de la bonté, de la puissance de leur Dieu, que leur Dieu est vivant, qu'il ne les a pas abandonnés, qu'il agit au milieu de ceux. Aussi pour encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être pas le même moment que vous, mais qui traversent des moments difficiles, qui expérimentent des temps compliqués dans leur vie. Alors quand vous le faites de tout votre cœur, le Seigneur pourra aussi leur apporter la délivrance et la restauration. Voilà, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ça peut aussi être pour ceux qui traversent les mêmes moments difficiles que comme vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Nous disons Amen. Shalom, shalom. Voilà, nous allons commencer ce matin. Nous parlons de briser les limites avec Jésus-Christ. Voilà, mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'un sujet qui sort un peu du thème. Je ne sais pas s'il sort du thème. On va essayer de se débrouiller pour qu'il entre toujours dans le thème. Je voudrais tout simplement partager avec toi sur l'importance de prendre soin des personnes qui vous sont chères. C'est très important. L'importance de prendre soin de ceux qui nous sont chers. Vous savez, depuis la mort de Mommy, je réalise beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être des choses que je connaissais, mais qui cependant n'étaient pas aussi crues, n'étaient pas des réalités aussi crues à mes yeux aujourd'hui et dans mon cœur. Vous savez, lorsque quelqu'un comme ça vous est arraché, dans tous les cas, vous n'êtes pas indifférent. Votre vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est clair. Et donc, je regarde autour de moi, je vois des hommes avec leurs femmes se déchirer. Je vois des hommes de Dieu avec leurs femmes. Et parfois, à qui ils n'expriment pas leurs sentiments. Je vois des couples dans lesquels le mari ne peut pas dire à sa femme, je t'aime. Je vois des couples dans lesquels la femme ne peut pas dire à son mari, je t'aime. Et dans mon silence et dans mon coin, dans la souffrance de mon cœur, je dis, quel gâchis, quelle perte, quelle perte. Je dis, s'ils savaient, s'ils pouvaient imaginer, s'ils pouvaient s'imaginer un seul instant qu'un jour une séparation viendrait, que cette personne qui est là et qu'on prend comme un acquis, dont la présence est prise comme un acquis, si on peut imaginer que cette personne ne sera plus là demain, je pense que ça peut amener les gens à changer de mentalité en ce qui concerne l'amour du prochain, l'amour de son père, l'amour de sa mère, l'amour de son frère, l'amour de son grand frère, l'amour de son mari, l'amour de sa femme, l'amour de son enfant. Vous voyez, c'est un peu ça. Hier, j'ai eu un grand choc. Vous savez que depuis que on a fait le deuil, beaucoup, en fait, pour le monde externe, le deuil est fini. C'est ça la vérité. Et c'est normal. Le deuil est fini. Mais pour moi, le principal concerné, mon deuil vient de commencer. C'est ça la vérité. Ça veut dire que c'est après l'enterrement que le deuil, mon deuil a commencé. Je me souviens que le jour où il fallait l'enterrer, quand on l'a mise dans le caveau, c'est là que j'ai réalisé que c'est un peu. C'est-à-dire qu'on est en train de se séparer, vous voyez. Et si je n'étais pas un croyant, je n'avais pas l'espérance des saints, l'enseignement de la Bible, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué pour moi. Donc je pense que ces jours-là, pour sortir du caveau, c'était tout un problème. Et je bénis Dieu pour ceux qui étaient là avec nous, avec moi, qui ont quand même été patients, qui m'ont laissé le temps qu'il fallait parce que je ne voulais pas quitter.
sortir du caveau, de la réalité était là. C'était OK, et mon ami, tu vas monter, et puis elle va rester. On va refermer. Donc, je bénis Dieu pour ceux qui étaient là, qui ont pris du temps pour attendre. Donc, ceci nous montre tout simplement que la vie n'est pas la nôtre. Donc, il faut aimer les personnes qui nous sont chères. Vous savez, trouver des personnes qui vous aiment et qui expriment d'amour pur, juste de l'amour pur, c'est compliqué. Et aujourd'hui, j'essaye de m'adapter tant bien que mal à vivre sans elle. Donc, honorez vos parents quand ils sont vivants. Vous avez la grâce de les voir vivants. Ta femme, pendant qu'elle vit, c'est-à-dire, ne t'appuie pas sur des inutilités, sur des futilités pour lui faire du mal, pour la mépriser, pour la rejeter, pour... Surtout lorsque vous avez quelqu'un qui vous aime sincèrement, vous avez quelqu'un qui connaît votre valeur, qui vous aime avec pureté. C'est des relations difficiles et rares dans notre temps aujourd'hui. Et je pense que mon épouse était l'une des rares personnes qui m'a aimé passionnellement, qui m'a aimé de tout son cœur, sans rien attendre de moi, rien. Qui m'a aimé d'un amour pur, d'un amour unique dans son genre. Donc hier, je suis arrivé à l'Institut, parce que depuis qu'elle est partie, je n'ai pas eu l'occasion de retourner. J'ai pas eu la force, pas l'occasion, j'ai pas eu la force d'ouvrir son bureau à l'Institut. J'ai pas eu la force, sincèrement. J'ai pas eu la force. Pour moi, c'était un peu trop compliqué. Cette réalité encore. Vous savez, il y a des choses qui sont comme des chocs. Quand vous faites face à ces choses-là, c'est des chocs qui vous rappellent. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait, OK, ta femme est morte, ton épouse est morte. Donc, il y a des réalités qui vous disent ça, sans dire, dans leur silence, qui quand même vous rappelle la réalité que cette personne qui vous est si chère, cette personne qui était pour vous, c'est-à-dire la raison principale, votre raison principale de vivre, n'est plus. Et son bureau faisait partie de ces choses-là, dont j'ai évité. Et les employés, ces filles m'ont dit, non, papa, vraiment, l'institut n'a plus rien, tout est dans le bureau de maman. Je leur ai dit, oui, on va voir, on va voir, on va voir. Et depuis là, donc, c'est hier. L'institut s'était presque vidé. Hier, j'ai pris mon courage à deux mains. Je vous dis la vérité, quand j'ai ouvert le bureau et que j'y ai accédé, donc c'était compliqué. C'est compliqué. Je pense que sa fille qui était là, quand elle-même, elle a encore fait le deuil hier. Je pense qu'elle m'avait été. Je ne sais pas où elle s'est couchée par terre ou qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que. Elle aussi faisait son deuil de son côté et c'était compliqué. C'était compliqué. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit si vous n'avez pas perdu un être qui vous a aimé juste pour ce que vous êtes. Qui vous a aimé pour ce que vous êtes. J'ai pris le temps pour regarder Abraham et Sarah. Et j'ai compris qu'Abraham, même s'il s'était remarié, avait compris. En fait, il avait vécu la même chose. J'ai essayé d'étudier son cas. Parce que c'est un cas important. Parce qu'Abraham jouait avec sa femme.
La Bible dit qu'ils s'aimaient tellement qu'ils jouaient ensemble. Donc, ils étaient un peu comme j'étais avec Momie. Et sa femme est morte. Bon, le cas est un peu différent parce qu'au moins elle a pu avoir, vivre, voir son enfant grandir pendant jusqu'à 37 ans. Enfin, Isaac a eu 37 ans, c'est là qu'elle est morte. Donc, mais je n'ai pas eu cette grâce. C'est Dieu qui est souverain. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Et s'il y avait un choix, j'aurais dit non. S'il fallait demander mon avis, j'aurais dit non. Donc, ta femme qui est à côté de toi, mon frère bien-aimé, s'il te plaît, prends soin d'elle. Tu ne peux pas épouser quelqu'un pour ne pas l'aimer ensuite. C'est une perte de temps. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour lui faire des problèmes sur peut-être une erreur de comportement, une erreur de parole. Oubliez ces choses, minimisez vos problèmes et aimez-vous. Rendez-vous heureux. Parce que ce qui est sûr, un jour, vous serez séparés. Ça ne dépendra pas de vous. Quel que soit l'amour que vous avez pour la personne s'en ira. Vous vous séparerez. J'étais aux côtés de mon épouse. On a traversé des moments parfois très compliqués à cause de sa santé, je me souviens. Elle a passé plus de temps à l'hôpital américain de Dubaï. Pour ceux qui connaissent l'hôpital américain de Dubaï, ils peuvent comprendre ce que c'est que l'hôpital américain de Dubaï. Je me souviens parfois, elle me disait, mon mari, vraiment, je suis malheureux, je suis désolé de savoir que toutes tes économies vont sur ma santé. Je lui disais que ta vie ne peut pas être comparée à nos économies. Elle pleurait à chaudes larmes. Tu n'arrives pas à réaliser quelque chose pour ta famille. On n'arrive pas à faire quelque chose pour notre famille. Il faut que tu travailles pour me payer le billet, pour payer l'hôtel, pour payer. Parce que pour ceux qui ont été attentifs, elle a passé plus de temps à Dubaï, à l'hôpital américain qu'ici. Et l'hôpital américain, la consultation, c'est 1 million pour rencontrer un médecin. Donc pour moi, je me disais, il faut qu'elle s'en sorte absolument. Mais Dieu en a décidé autrement. Et le Seigneur m'a laissé les mains vides. Et je pense sincèrement que si elle ne m'avait pas laissé une fille, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Peut-être j'aurais quitté le Cameroun. Je serais parti. J'aurais laissé ce pays pour aller ailleurs. Puisque je n'ai plus de fondement. Je suis un peu comme un navire qui a perdu son. Qu'on appelle ça là? C'est l'ancre, je crois, oui, l'ancre qu'on a jetée pour saisir le navire. Donc, Jemima, aujourd'hui, c'est un peu comme un petit ancré pour moi. Je ne serais pas resté ici, au Cameroun, ça c'est vrai. Je serais allé n'importe où. La Bible dit, la vie de Sarah, on est dans Genèse 23, verset 1, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham a acheté un champ pour sa femme. Il aimait tellement Sarah. Il avait tellement attaché son âme à Sarah. Et je pense que Sarah était pour lui ce que mon épouse était pour moi. Il avait tellement aimé. Donc quand je vois un homme négliger sa femme ou une femme négliger son mari, mépriser son mari, j'ai mal pour eux. Je dis, ils n'ont pas compris. Quand je vois un parent jouer avec son enfant, ne pas prendre soin de son enfant, abandonner son enfant, ou bien aimer sa propre vie plus que celle de ses enfants. Je dis que cette personne n'a pas compris que la vie est éphémère. Qu'un jour cet enfant ne sera plus. Ou alors que toi-même tu ne seras plus là pour prendre soin de cet enfant et que cet enfant sera maltraité par ceux qui de ton vivant te faisaient croire qu'ils aiment ton enfant. Quand tu as l'occasion de donner l'amour à ceux qui t'aiment pour ce que tu es, il faut leur donner cet amour.
Aujourd'hui, l'amour vrai, l'amour pur, l'amour sans intérêt est presque impossible. C'est rare. Ceux qui t'aiment pour ce que tu es. Mon épouse m'a connu quand je n'avais rien. Elle m'a aimé. C'est pour ça que personne, même dans ma famille, même lorsqu'il y a eu des problèmes au milieu de ma famille, au sein de ma famille, la concernant, personne ne pouvait dire qu'elle t'aime pour ce que tu possèdes. Ça, au moins c'est ça. Même ses ennemis le reconnaissaient. Même ceux qui ne l'aimaient pas le reconnaissaient. Personne ne pouvait lui dire que tu avais ton mari. Non, elle me disait, mon mari, Dieu peut reprendre tout ce que nous avons. Je ne t'ai pas aimé pour ça. D'ailleurs, toi-même, tu sais que quand je t'ai rencontré, tu n'avais rien. Donc, Dieu peut reprendre tout. On reprendra à zéro. Je reprendrai ma vie avec toi à zéro. Donc, les gens peut-être nous voyaient complices, amis, unis, mais vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où c'était allé. Vous ne pouvez pas imaginer. Les profondeurs, ça c'est la partie visible. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque je sors de la maison, je sors le matin, je vais, comme hier, parfois j'ai du mal, je préfère rester au bureau, rester juste, laisser le temps passer, et puis la nuit je rentre. Quand je sortais, toutes ces années où j'étais avec elle, quand je sortais, j'étais au pas de course, il fallait retourner à la maison. Oh. Donc, je veux dire qu'il y a des choses que vaut mieux ne pas les vivre. Vaut mieux ne pas les vivre. Lorsque ton frère te dit, donne-moi ton bic, et tu dis non, et à cause d'un bic, tu dis, je ne donne pas, et tu fais des problèmes. J'ai dit que tu n'as pas compris que la vie, la présence de cette personne dans ta vie peut être ôtée un jour, et qu'elle n'est pas comparable à un bic. Ou ta soeur te dit, donne-moi la mèche que tu portes. Et puis, que tu dises non, et je ne peux pas. J'ai dit, tu ne comprends pas. Abraham a perdu l'être le plus cher. Il a acheté un endroit, il a fait un caveau. Et ce qui m'a fait comprendre qu'Abraham aimait sa femme et qu'il avait la même relation que j'avais avec mon épouse, c'est ce que la Bible relate sur la mort de Sarah. Déjà que la Bible parle tellement de la mort de Sarah que même les femmes qu'il a épousées après la mort de Sarah, on n'en a pas parlé. Après la mort, on ne sait même pas comment elles sont mortes ou bien où elles sont mortes. La Bible dit, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Sarah, la femme de son Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. La Bible dira au chapitre 24, verset 107, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, après la mort de Sarah, Abraham a tellement aimé sa femme qu'il a conservé la maison de sa femme. Aucune femme n'a pris la maison de sa femme. Il a laissé cette maison là-bas et Isaac allait de temps en temps dans la maison de sa mère se recueillir pour se rappeler sa maman parce qu'il était inconsolable, parce que c'était une femme extraordinaire. Et je pense que moi, j'ai fait naturellement, c'est après que j'ai fait des études bibliques et j'ai découvert comment Abraham avait fait. Depuis que mon épouse est rentrée à la maison, je n'ai donné rien de ce qui lui appartient à qui que ce soit. Et je pense que je disais à Mireille que ces affaires-là vont rester. Je ne donnerai ça à personne, je ne distribuerai ces affaires à personne. Ça restera là. Sa penderie est là, ses vêtements sont là, ses chaussures sont là. Je pense qu'après chaque un mois, 2 mois, on va envoyer ça au prêcher et puis on met ça dans la penderie. Et par la grâce de Dieu, sa fille, si Dieu lui donne longue vie, et c'est ma prière, ma demande, elle pourra voir les affaires de sa mère et puis elle pourra prendre cela et en faire ce qu'elle veut. Donc, Abraham a conservé la maison de sa femme. Il a dit, cette maison, aucune femme ne l'occupera, cette maison. Je ne la donnerai à personne, je ne distribuerai pas ses affaires. De la maison de Sarah est restée intacte. Ça montre l'attachement qu'Abraham avait envers son épouse et l'amour qu'il a témoigné pour lui. Vous savez, la vie n'est pas éternelle. C'est la vie humaine sur terre n'est pas éternelle, mais l'amour est éternel. Il y a des gens que vous n'allez jamais cesser d'aimer. Et quand vous avez des personnes comme celle-là dans votre vie, c'est un héritage de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à mourir pour vous. Ce n'est pas mourir que les gens disent, mais qui, dans la réalité, ne peuvent pas. J'étais prêt à mourir pour ma femme. Et ma femme était prête à mourir pour moi. C'était la seule personne sur la terre
des vivants que je pouvais témoigner que celle-ci, si on lui dit de choisir, on dit de choisir. Entre je meurs et elle meurt, elle va dire que non, laissez mon mari vivre, je veux mourir. Partout, que ce soit à Dubaï, quand on prenait soin d'elle, les médecins ont dit on veut voir son mari. Les médecins me disaient votre femme vous aime d'un amour immense. Pourquoi? Parce que parfois, sous anesthésie, dans son inconscient, elle dit mon mari, Seigneur Jésus, mon mari, où est mon mari? Seigneur Jésus, donnez-moi mon mari, rendez-moi mon mari. C'était un peu ça. Mais lorsqu'elle a accouché, c'était compliqué. Mais c'était mon mari. Dans le médecin, se sont alignés. Toute la clinique est sortie. Quel est l'homme qui est le mari de cette femme? Et dès qu'elle me voyait, c'était bon. Je me souviens que quand je partais sur Garoua, je lui ai dit que je revenais. Dès qu'elle a appris que j'ai voyagé, elle s'est renfermée. Elle s'est renfermée sur elle-même. Donc quand on voulait faire quoi que ce soit, elle disait non, parce que c'est moi qui prenais soin d'elle à la fin. Il fallait prendre soin d'elle, il fallait l'aider, l'assister toujours, l'aider à se laver, prendre soin d'elle, la oindre et tout faire. Donc ça fait que quand on lui disait, regarde, il faut qu'on te donne à manger, elle disait, non, j'attends mon mari déposer. Mon mari viendra, nous mangerons ensemble. Donc, pleurer le départ d'un être cher, comme dans mon cas, n'est pas un signe de faiblesse. Ce que vous n'avez pas, peut-être vous n'avez pas vécu ça, vous n'avez pas encore vécu ce degré d'amour, peut-être. Mais il y a des choses que c'est mieux de ne pas les vivre pour comprendre. Je ne regrette rien depuis son départ, je ne regrette pas. Parce que j'étais présent dans sa vie. Elle était rassasiée de ma présence. Et moi aussi, j'étais rassasié de sa présence. Et donc, la Bible dit que c'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Donc, quand Abraham est mort, quand vous lisez ce passage de Genèse chapitre 25, la Bible dit que Ismaël et Isaac ont pris leur papa. Ismaël avait sa maman, Agar. On n'a pas enterré Abraham avec Agar. On l'a pas enterré avec Keturah, son autre femme, et les autres femmes qu'il a eues après la mort de Sarah. On l'a ramené au champ des fils de Heth, et il avait fait deux caveaux, un pour sa femme et un pour lui. Et on l'a enterré à côté de sa bien-aimée. Vous voyez. Le jour où j'ai demandé qu'on fasse mon caveau à côté de celui de mon épouse, parce qu'on a fait son caveau, on a fait ma part. C'est le même caveau. Donc, le jour où j'ai demandé qu'on fasse le caveau, on est côte à côte, les cercueils seront mis côte à côte, les gens. Il y a même des hommes de Dieu qui m'ont dit, non, attention, comment tu peux faire ton caveau de ton vivant? Or, chez les Juifs, la richesse d'un homme se mesurait même à son caveau. Pourquoi? Parce que les gens ont un sens erroné de la mort physique. Puisque les gens, dans l'Église aujourd'hui, les gens avec l'Église dite de revers, l'Église pentecôtiste, entre guillemets, c'est elle qui a les problèmes avec la mort. C'est quand tu dis la mort, les gens disent non, la mort, comment quelqu'un peut faire le caveau quand il est vivant? Pour eux, c'est un peu négatif, c'est péjoratif parce que les gens ne comprennent pas la mort. Pour les Juifs, un Juif, l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un Juif à l'époque et même aujourd'hui, c'est le caveau. Et la richesse d'un Juif se mesurait par le genre de caveau. Il était le peuple de Dieu. C'est d'eux que nous tirons notre exemple, notre modèle. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris que la mort en Christ n'est pas une mort. La mort physique en Christ, ceux qui sont en Christ ne meurent pas, ils ne meurent jamais. Non, la mort physique, c'est juste l'esprit qui quitte le corps. Ce n'est pas un événement majeur. Mais ce que la Bible appelle la mort, c'est lorsque tu vas dans la géhenne. Ça, c'est la mort de l'âme. C'est elle que la Bible appelle la mort, ou bien la seconde mort. C'est là-bas la vraie mort. Mais la séparation, quand le corps est abandonné par l'esprit, qui retourne au Seigneur, ce n'est pas la mort là-bas. Donc, la réalité, c'est un peu cela. Et je pense que lorsque j'ai parlé, la Bible, les gens, les chrétiens disent non, il n'y a aucun contact entre le mort et le vivant. J'ai dit à l'Église que vous ne comprenez, vous n'avez pas compris le christianisme en vérité. La Bible explique que quand Christ est ressuscité, il y a eu plus de 500 frères des morts qui étaient morts. La Bible dit qu'ils étaient morts, qui sont revenus, qui sont ressuscités et qui ont ressuscité et qui ont marché
dans toute la ville de Jérusalem avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont marché dans la ville, ils ont visité leurs bien-aimés, leurs parents, leurs époux, leurs maris. Ils ont causé avec eux, ils leur ont certainement raconté comment c'est beau là-bas, haut, là-haut. Et puis, après ça, ils sont repartis. Le temps que Jésus a mis sur la terre, il n'a pas été seul, il était avec certains saints qui étaient morts. Ouais, ils sont ressuscités, ils ont parlé. Il y avait un contact entre eux et leur famille et leurs bien-aimés. Et puis, ils sont repartis. Jésus lui-même étant mort, il est ressuscité. Il a parlé aux apôtres et puis il est parti. Mais la chose la plus importante pour le christianisme, comme je l'ai dit, la religion chrétienne, aujourd'hui fondamentalement, est basée sur la relation avec les morts, les personnes mortes qui ont servi Dieu fidèlement. Comme tout à l'heure, nous avons prié que Dieu nous donne l'esprit de Holia, de Bessaléel, vous voyez, ou bien la grâce, l'intégrité d'Abraham. Abraham est mort. Tout ce dont nous prêchons, nous parlons d'eux, c'est des morts que nous parlons dans nos églises. Aucun prédicateur chrétien ne peut dire qu'il n'a pas parlé avec, parlé des morts, ou qu'il n'est pas en contact avec mort, ou bien demander l'héritage spirituel des morts. Nous demandons la richesse de Salomon, il est mort. Sa sagesse, il est mort. Nous demandons la vaillance de David, il est mort. Nous demandons l'onction de Paul, il est mort. Toutes ces personnes appartenaient aussi à des familles, c'est des membres de familles qui ont été mortes et enterrées. Elles ont un tombeau, tout comme momie a un tombeau. Donc. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Quand il parle de morts ici, il ne s'agit pas de la mort physique, il parle de ceux qui n'ont pas Dieu. Il est le Dieu des vivants. Or, Abraham, Isaac, Jacob sont vivants pour toujours. Ils sont dans la félicité suprême. Donc, je pense qu'il faut que les gens. C'est-à-dire que l'Église, on nous a tellement mis des doctrines qui nous ont plutôt abêtis, abrutis, que. On n'a pas compris la simplicité. Pourtant, quelqu'un prie tous les jours, il n'y a pas de contact avec les morts, mais tous les jours, oh Dieu, donne-moi l'onction de Paul. Tous les jours, on va sur la montagne, Seigneur, je veux l'esprit que tu as donné à l'apôtre Jean. C'est un peu comme si tu disais à ton père, tu priais sur l'esprit que Dieu avait donné, l'onction que Dieu avait donné à ton propre père qui est mort, qui était serviteur de Dieu, qui était homme de Dieu. C'est la même chose, il n'y a aucune différence. Seigneur, je sais que papa t'a servi dans la fidélité. Seigneur, il a été un homme très sage. Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi grâce. Par exemple, papa Yetna, le prophète Yéna à qui Dieu a donné l'hébreu et qui est mort aujourd'hui. Vraiment, tous les jours, j'ai béni Dieu. Seigneur, merci pour l'esprit de Papa Yéna que tu m'as donné par rapport. Parce que les morts en Christ ne sont pas morts. Papa Yéna est mort physiquement, mais il est retourné vers le Seigneur. Son esprit est vivant pour l'éternité auprès de notre Dieu. Donc, c'est la même chose avec Momi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que mes frères, aimez-nous, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aime-moi quand je vis. Aime-moi quand je vis. Aime ton enfant quand il vit. Sacrifie-toi pour ceux qui te sont chers. Sacrifie-toi pour ceux qui t'aiment. Pour ceux qui t'aiment d'un amour vrai. Pour ceux qui t'aiment. Pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Pas pour ce que tu possèdes, pas pour tes possessions. Pour quelqu'un, pour ceux qui t'ont aimé. Quand je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. L'amour que mon épouse et moi, nous avons partagé, c'est un amour difficile aujourd'hui. C'est un amour rare. C'est un amour rare, je vous dis, c'est un amour rare. C'est un amour rare. C'est un amour très rare. C'est un amour très rare. C'est le genre d'amour qui vous nourrit jusqu'à votre mort. Genre d'amour qui vous nourrit. Genre d'amour qui vous nourrit. Comprenons aussi en même temps que la vie ne nous appartient pas. La personne qui est avec toi là aujourd'hui, demain, elle peut disparaître. La personne que tu négliges aujourd'hui, là, ta mère qui est là, qui te demande, va me puiser de l'eau, tu dis, ah maman, je suis fatigué. Oh, va me préparer, fais-moi une omelette. Ah maman, toi aussi, tu te déranges, dis donc. Comment tu fais ça? Demain, tu risques de pleurer. Pas seulement la mort de ta maman, mais tu risques de pleurer le fait que de son vivant, tu l'as négligé, tu l'as méprisé. Tu n'as pas donné tout ce que tu pouvais. Tu avais encore en réserve beaucoup de choses pour elle ou bien pour lui. Et que tu ne l'as pas fait, c'est plus douloureux que la perte même de cet être. C'est mieux de pleurer une personne qui est partie, de pleurer son absence, que de pleurer de l'avoir négligée de son vivant. Là encore, la douleur est double. La douleur est plus compliquée. C'est pour cela que c'est mieux de s'aimer maintenant. Non, aime ton mari. Je bénis Dieu pour les hommes de Dieu à qui Dieu a fait la grâce d'avoir leurs épouses. Dieu t'a fait grâce. Tu as ta femme, homme de Dieu, cher homme de Dieu, s'il te plaît. Valorise ta femme. Laisse ta femme s'exprimer. Parfois, nous méprisons nos épouses
devant même le peuple. Le peuple même remarque. Et ça fait que même les brebis ne respectent pas nos épouses à cause de la manière dont nous nous comportons vis-à-vis d'elles devant les brebis. Parfois, nous ne laissons pas nos femmes s'exprimer. Nous ne laissons pas nos femmes exprimer le talent de Dieu en eux. J'avais compris ça. Je croyais en ma femme. Je savais que Dieu avait mis un dépôt en elle. Et puis, elle a vu que je croyais en elle et elle s'est exprimée. Elle était libre de s'exprimer comme elle voulait. Elle savait qu'elle avait le soutien de son mari. Et qui en a gagné? C'est moi, en tant que son mari, qui en ai gagné, puisque après, je pouvais sortir du Cameroun. Elle tenait l'église comme si j'étais là. Pourquoi? Parce que je lui ai donné la place qu'il lui fallait dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Et surtout qu'elle avait la passion. Parfois, nos femmes, en tant qu'hommes de Dieu, ont une flamme en elles. Mais nous éteignons sa passion. Nous disons, je suis le visionnaire. Oh, ton épouse, si vous devenez une même chair, vous devenez aussi un même esprit. Et donc, elle est co-visionnaire avec vous. Je pense que ta femme est l'héritière naturelle de ta vision. Voilà comment nous, on voyait les choses. Ça, c'est ma façon de voir. Ta femme est l'héritière naturelle de ta vision. Parce que si toi et ta femme, vous êtes un, aucun homme, aucun de tes fils ne t'aimera comme ta femme. Aucun de tes fils ne défendra l'intérêt de ta famille comme ta femme. Aucun de tes fils ne défendra ton nom comme ta femme, parce que ta femme est l'héritière naturelle de ton nom, aucun de tes fils. Lorsque vous avez compris ce secret dans le mariage et que vous êtes amis, vous vous donnez du temps, comme nous faisions. Vous partez à Kribi, pas avant de quitter Yaoundé, on va au Mont Phoebe. On reste là-bas. Mais dans ces derniers moments-là, parfois je me disais, OK, il faut lui faire changer quand même d'espace. Je vais là-bas avec elle, j'essaie de la distraire, de la rendre heureuse et tout cela. Et c'est important. Ça booste votre mariage, ça booste vos relations. Vous minimisez certaines choses. Nous allions sur la base de si je te blesse, vraiment, je demande pardon si c'est toi qui me blesses. Parfois, on avait des moments difficiles. Ça veut dire qu'il y a des incompréhensions, mais qui étaient rares et qui se réparaient aussi très rapidement. Donc, quand parfois, c'est elle qui agissait mal, et même quand j'ai dit agir mal, ce n'était pas comme agir comme on voit dans d'autres mariages. C'était pour d'autres mariages, vraiment, c'était la perfection. Non, elle tombait par terre, elle tenait mon pied. Elle disait mon père, mon père. Elle m'appelait mon père, mon père. Et lorsque je me rendais compte que c'est moi qui avais tort, je me mettais à genoux. Je l'appelais ma mère, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que nous, on avait compris que la vie, c'est zéro et c'est vrai. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Une minute de haine, une minute à ne pas se parler, une minute de guerre. C'est un temps que vous ne rattraperez jamais. C'est un temps où vous aurez vécu l'amour, vous aurez expérimenté l'amour. Une minute avec ton enfant, tu mets l'enfant en quarantaine. Tu n'as pas le temps de ton enfant. Une minute à ne pas investir ton temps pour ta famille, c'est un temps précieux. Je vous dis la vérité. Si la mort arrive, tu regretteras, tu comprendras. Or, tu as encore l'occasion aujourd'hui de te racheter, de prendre soin de ta famille, de prendre soin des siens, des tiens, d'aimer tes frères. Ta sœur que tu vois à côté de toi là, elle est précieuse. Ton frère que tu vois vivant, à qui tu ne rends jamais visite parce que tu es tellement occupé. Un jour, tu auras du temps, mais il ne sera plus là pour toi. Et tu comprendras que ton frère, ton travail ne vaut pas ton frère. Tes occupations ne valent pas ta mère. Vous savez, ma femme, c'est une perle de Dieu. C'est une perle de Dieu. Malgré les moments compliqués qu'elle a eu à ce moment avec sa belle-mère, sa belle-famille, elle me disait, mon mari, je ne peux jamais te mettre dans les problèmes avec ta mère. Jamais. Même si on ne se parle pas aujourd'hui. Et c'est qu'un jour Dieu le fera. On se réconciliera. Mais, construis la maison à ta mère. Construis une maison. Construis une maison. Elle me mettait la pression. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire maison à maman. Et lorsque maman, j'ai construit la maison à maman, une pensée m'est venue parce qu'elles se sont réconciliées. Les deux sont devenues les meilleures amies au monde. Les deux s'aimaient à n'en point finir. J'ai construit la maison à maman. Et je crois que symboliquement, il y a un meuble à la maison ici. C'était mon meuble le plus cher à la maison. Nous étions allés dans un supermarché avec maman. Et Mama Shalom, et puis elle avait choisi ce meuble pour
Pour moi, je lui avais dit, non, le meuble, si ça ne va pas marier avec la maison. Elle m'a dit, non, tu sais, donc. J'ai dit, ok, moi, je choisis, toi, je choisis. Elle a choisi ce meuble-là. On a mis ça. Et le lit, celle qui avait choisi. Donc, juste pour une sorte de rapprocher son souvenir à ma mère. Donc, j'ai dit, ok, je prends ce meuble, je prends le lit, je donne à maman. Je vais mettre ça dans sa maison là-bas. Et puis, c'était les meubles les plus chers que nous avons chez à la maison. Le lit et ce meuble-là. Donc, je suis allé et j'ai donné ça à ma mère. Juste pour lui rappeler qu'elle garde un souvenir, qu'elle n'oublie pas la mémoire de sa belle-fille. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je pouvais lui acheter des meubles, mais j'ai dit, il faut offrir. La vie n'est rien, c'est zéro. On ne peut pas s'accrocher sur les biens matériels. Tu vas laisser ça. Ce qui est le plus important, c'est d'aimer les personnes qui nous sont chères. La maison, tu la quitteras. Tu n'iras pas avec elle. La voiture, tu vas l'abandonner un jour. Le jour de la mort, tu n'iras pas avec. Donc ne t'accroche jamais sur les biens matériels pour rejeter ta famille. Ne t'accroche jamais sur les biens matériels pour mépriser ta famille. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es bien que tu vas mépriser ta mère, tu vas mépriser ton père, ou bien tes frères, ou tes soeurs. Non, c'est plutôt l'occasion de les inviter pour bénéficier de ce que Dieu t'a donné. Que le Seigneur vous bénisse. C'était mon cœur juste que je voulais partager avec vous. Je n'aurais pas la force ce matin de recevoir les appels. Priez aussi beaucoup pour moi. Priez pour moi. Si Jemima n'était pas là, je serais pour Cameroun. Je crois que je serais parti. Parce que ce qui me retenait n'est plus. Donc, mais elle est là. Elle me rappelle sa maman. Elle est aussi intelligente que sa maman. Et sa maman, pendant 2 ou 3 jours avant de partir, l'a appelée. Elle l'a regardée dans ses douleurs. Elle a dit, petite, viens. Elle est venue. Elle lui a posé les 2 mains. Elle lui a dit que mes limites ne soient pas tes limites. Ou mes ennemis ont eu raison de moi, qu'ils n'aient pas raison de toi. Je prends le manteau que je porte par le Dieu de ton père, en qui j'ai cru, et je le mets sur toi, sois l'héritière de ce manteau. Que le Dieu en qui j'ai cru et que ton père, mon mari, m'a enseigné, et qui est mon Dieu aujourd'hui, soit ton Dieu, ma fille. Va au-delà de mes limites et fais ce que je n'ai pas pu faire. Elle a béni. Elle a béni notre enfant. Elle a dit que le Dieu de ton père, qui est mon Dieu, soit avec toi. Et c'est comme ça. Elle a dit, va, je t'aime bébé. Elle a dit, je t'aime maman. Ça, c'était le dernier contact qu'elle a eu avec la petite. Aujourd'hui, je crois que la souveraineté de Dieu a été prouvée au monde entier. Qui que nous soyons, nous ne sommes rien en réalité. Il y a un seul qui a le bâton de commandement, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu à qui nous devons soumission. Je bénis Dieu. Je n'ai jamais jugé Dieu. Je ne me suis jamais fâché contre Dieu. Je pleure. C'est normal. C'est normal. Je pleure. On n'a pas besoin de justifier les pleurs. Jésus n'avait pas besoin de justifier pourquoi il pleurait. Lazare, sachant même qu'il allait le ressusciter, ma part même, je sais que c'est, on va se voir au ciel. Jésus, sachant que dans quelques heures, on va se revoir, a quand même pleuré. À une forte raison, moi qui sais qu'on va se voir, encore je ne sais pas pour combien d'années, le Seigneur me fera combattre ce combat. Donc je crois que c'est ma meilleure amie, ma complice, ma meilleure amie, que j'ai perdu, ma meilleure amie. Toi, tu as la grâce d'avoir ton mari. Femme, honore-le. Marie, tu as la grâce d'avoir ta femme. Pardon, je vous prie, je vous supplie à genoux. Aimez-vous. Aime ton mari. Aime ta femme. Je t'en supplie. Si tu as l'argent, c'est pour vous deux. Le jour où nous sommes allés ouvrir le compte bancaire et que j'ai dit à la banquière que nous sommes co-gérants, mon épouse et moi, elle m'a posé une question. Monsieur, vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Et ça m'a étonné. Elle a dit, ici, on ne voit pas ça. L'homme vient en cachette ouvrir son compte. Quand il part, la femme vient aussi en cachette ouvrir son compte bancaire. Les cartes bancaires, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où c'est. Et je ne connais pas le code. C'est elle qui utilisait, qui me donnait parfois le code. Je n'ai pas eu la force de fouiller dans ses affaires jusqu'à aujourd'hui, vous voyez.
C'est un trésor, c'est un amour pur. À vous qui êtes célibataire, le vrai amour existe. Il y a des personnes qui sont vraies, qui vous aiment. Je parle d'un amour pas sale, pas d'un amour calculé, pas d'un amour avec intérêt, pas un amour pour ce que vous donnez. Des personnes qui sont prêtes à être avec vous, vous possédez tous les biens de la terre. Elles ne vous demanderont jamais les biens de la terre. Ce n'est pas des personnes qui disent non, ce n'est pas tes biens qui m'intéressent, mais qui après vont quand même dire que je veux tes choses. Non, je parle de personnes qui vous aiment juste pour ce que vous êtes. Qui ne vous diront jamais que. Ma femme ne m'avait jamais dit pendant nos fiançailles, même dans le mariage, que oh, non, elle ne m'a jamais la pression que je veux tes choses. Donne-moi tes choses, pourquoi tu ne me fais pas ceci? Pourquoi tu ne m'as pas fait ceci? Il a demandé si tu ne m'as pas fait. Jamais. Jamais de la vie. C'est un trésor. Je prie que son héritage spirituel repose sur toutes ses filles. Dans le nom de Jésus. Je prie que sa grâce, que cet esprit d'elle ne soit pas perdu sur l'église de Dieu. Non. Mais que sa mort suscite mieux qu'elle des femmes qui auront la double portion de son caractère. Si nous trouvons cela, je vous dis la vérité, vous verrez des mariages heureux. Vous verrez vraiment des hommes de Dieu qui sont amis avec leurs femmes, qui s'aiment, qui peuvent s'embrasser en public, vraiment qui mènent leur vie relaxe, comme Abraham était avec maman Sarah. Que Dieu te bénisse, je prie. Que le Seigneur bénisse votre journée. Je prie surtout qu'il vous rende conscient de ce fait. Peut-être je me suis mal exprimé ou je n'ai pas bien exprimé ce que je ressens. Déjà, que c'est compliqué de l'exprimer. Mais je prie pour vous que Dieu vous aide, qu'il vous donne longue vie, qu'il vous épargne de vivre ce que j'ai vécu, qu'il vous donne de jouir l'un de l'autre. Jouissez. Tant que Dieu vous donne le temps, c'est qu'il vous donne la possibilité. Ne gaspillez pas cette possibilité dans des problèmes interminables et inutiles, au fond duquel on ne trouve même pas un véritable problème. Jouissez de l'amour. La Bible dit, jouis de la femme de ta jeunesse et femme, jouis de ton mari. Prends soin de ton père, prends soin de ta mère, prends soin de ton frère. Si tu peux donner, donne. Parce qu'un jour, tu vas partir, tu vas laisser cet argent. C'est mieux d'en faire bon usage aujourd'hui, de connaître la destination que cet argent prend. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Et merci pour tout le soutien, l'amour que vous m'avez montré. Vous m'avez montré un amour fort. Vous m'avez tellement aimé, soutenu. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à tous les ministères, toutes les églises qui ont été là, qui m'ont assisté. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et je sais que vous m'aimez, que vous me gardez dans vos prières. C'est maintenant que j'ai besoin de vos prières. Oui, c'est maintenant plus que jamais. Je ne peux pas vous exprimer ce que je ressens. Parce que c'est inexprimable. Mais pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un, un être cher, il peut imaginer dans quel état je suis. Mais je bénis Dieu qui m'accorde la grâce d'être fort, d'être capable de prêcher et d'être debout. Je sais que je m'en sortirai. Paul a dit, Dieu me délivrera de toute mauvaise œuvre. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. Que Dieu te bénisse, passe une bonne journée. Rendez-vous ce soir pour la grande nuit de flammes ici à Yaoundé, à la Bire, en Kouaban. Dès que vous êtes en Kouaban, demandez tout simplement qu'on vous conduise à la Bire. Tout le monde là-bas connaît la Bire. Priez pour moi, je vous en prie, que Dieu me soutienne. Je suis en train de me relever, je suis en train. Et je m'appuie sur le Seigneur, je m'appuie aussi sur votre amour, sur votre intercession devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.